On a eu un sujet, on a eu un souci sur un candidat qui a fait un projet qui est intéressant et original, mais qui a peu de lien avec la natation, puisque c'est original, c'est le projet qu'il a construit, c'est récupérer tous les habits, lunettes, masques, etc. oubliés à la piscine, 10 mètres cubes, donc c'est pas rien, et faire une vente style vide-grenier au profit de l'UNICEF. Donc, dans la piscine, pas dans la piscine, pas dans l'eau, hein. Dans l'enceinte de la piscine. Donc, il y a un vrai lien avec l'établissement. Il n'y a pas de lien avec la natation. Voilà. Par contre, le projet, il est plutôt sympa. Il a récolté 1000 euros pour l'UNICEF. On voit qu'il s'est investi, il a investi dans la structure. Donc, on est assez embêté parce qu'il maîtrise la démarche de projet. Mais est-ce que le projet a vraiment un lien avec la... Est-ce que c'est recevable? Bah, après, c'est avec le diplôme, quoi. Tu vois, par rapport à la phase d'animation. Ouais. On a regardé le texte, et le texte peut avoir une double interprétation, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le texte, il est précisé qu'il peut y avoir Tu peux lire avec ouais, je vais prendre exactement le texte. Le texte précise, deux points, ouvrez les guillemets. Un projet d'animation dans la structure d'alternance pédagogique proposant des activités aquatiques et de la natation. Donc, est-ce que le projet d'animation est lié, propose des activités aquatiques et de natation, ou est-ce que le projet d'animation se fait dans la structure d'alternance qui propose des activités aquatiques et de natation? Ces deux interprétations sont possibles au regard du texte. Alors, pour moi, comme ça, je dirais que ça ne me gêne pas plus que ça que ce ne soit pas dans l'encadrement d'une activité, puisque ça, c'est plutôt l'UC3 et 4 qui le valident. Moi, je suis d'accord avec toi. Or là, on est clairement sur de la méthodologie d'un projet, ça se passe dans la structure, c'est au bénéfice de la structure associative, je suppose. Enfin, un bénéfice, c'est pour la vie de la structure du club, ça fait partie des choses, donc... Il y a une note un peu développement durable, récupération, recyclage, etc. En plus, il l'a bien situé dans le programme. C'est un des seuls qui a bien situé le développement durable. C'est original, c'est actuel, c'est dans la structure. Bon, ce n'est pas une activité d'encadrement, mais ça, c'est évalué par ailleurs dans l'UC3. Moi, je ne barrerais pas là-dessus. Et moi, j'évaluerais après bien, sa maîtrise de la méthode. Non, mais il était très bien là-dessus. C'était un bon candidat, ouais. Sur les UC 1, 2, la difficulté là sur les projets et le texte qui serait pas clair. Moi, ce que je lis néanmoins, c'est que c'est la réalisation d'un projet d'animation dans la structure d'alternance pédagogique. Est-ce que le candidat a bien fait de l'animation quand il a fait sa vente? Toi, tu l'aurais pas validé, lui? Moi, surtout, j'aurais apprécié connaître l'existence de ce projet un petit peu borderline, on va dire, avant aujourd'hui. Parce que les préconisations d'ADER, comme on a déjà discuté, sur, en l'occurrence, le cas s'est posé sur des activités de la forme d'un candidat qui avait fait aussi un projet qui n'était pas un projet d'animation des activités de la forme avec un cours collectif. Et voilà. On en avait parlé à l'époque avec le chef d'unité. Et puis, ce qu'on avait dit, c'est que l'activité, enfin le projet, doit être en lien avec l'animation de la pratique de l'activité. Ouais. Donc là, dans ce cas-là, ils ne rentrent pas dans les clous. Donc normalement, l'UC2 ne serait pas validable. Moi, ce que je propose là, c'est que de toute façon, vu le moment auquel on découvre le fait que le projet est un petit peu bancal par rapport à l'interprétation qui a été faite du texte jusqu'à présent. Le moindre doute doit bénéficier au candidat. Donc, on part du principe que, enfin, selon vous, il maîtrise la méthodologie du projet. Que d'après ce que vous avez fait ressortir, il serait capable de monter un projet d'animation des activités aquatiques et de la natation
dans sa structure. Ça, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas vu pédagogiquement. Non, mais il a... voilà. Non, mais on n'est pas là pour évaluer la pédagogie, de toute façon. Donc, il respecte bien la méthode de projet, et je pense que c'est... L'idée, elle vient de lui, et c'est lui qui a pris tous les devants, etc. etc. Ouais. Donc je pense que dans tous les candidats, c'est celui qui a montré quand même un peu plus de conviction dans le développement d'un projet original.